on a redécouvert des partitions. Étienne et Judith m'ont amené une pièce de Merula. On ne se connaissait pas. J'ai lu la partition et j'ai fait je ne vais pas y arriver. Et puis finalement, en travaillant et en prenant plaisir justement à ce répertoire un peu particulier qui est à la fois très virtuose et très grave, voilà, une grande joie de chanteur, de faiseur qui est venu. Protector vitae mea, protector vitae mea. Et au fur et à mesure après, ça nous a donné envie de chercher beaucoup de répertoires. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est plutôt les traversées baroques. C'est Judith et Étienne qui m'ont soumis plein de partitions 17e. Et à chaque fois, ça sonnait pour moi comme un challenge, pour être plus jeune. Et puis, on a trouvé de la très très belle musique et surtout qu'on n'entend jamais. Les traversées baroques, on s'est intéressé à toute cette musique polonaise pendant un bon moment. Et il se trouve qu'en cherchant cette musique polonaise, on a aussi découvert énormément de répertoires pour des chanteurs solistes, dont la voix de basse. C'est là qu'on a vu qu'il y avait énormément de répertoires pour les chanteurs basses virtuoses à l'époque. Donc des chanteurs qui chantaient tout seuls, un répertoire qui était vraiment incroyable, incroyablement écrit, orné, qui montait, qui descendait, qui allait dans tous les sens. Donc nous est venue l'idée d'essayer de la faire partager en créant ce récital pour basse voix seule avec un ensemble instrumental et voilà, pour changer peut-être des musiques pour haute contre qu'on a tendance maintenant à mieux connaître à cette époque-là en tout cas. Donc quand on a été un petit peu creusé vers l'Italie, vers la Pologne, vers la République tchèque, vers l'Allemagne, on a découvert vraiment des tonnes de compositeurs et des tonnes de musique. Et après, on a dû quand même trier, parce que là, on aurait de quoi faire deux ou trois programmes, si on le voulait vraiment. C'est la joie d'essayer de se dépasser, c'est-à-dire de pas être dans les clous. Si on veut accrocher le public, il faut se mettre un tout petit peu en danger et mettre les collègues en danger aussi. Et il sort de ça une effervescence qui touche le public et on les emmène avec nous. Voilà, dans une folie en quelque sorte.